Salut à tous, c'est Infinity pour une nouvelle vidéo sur HOTS, au fait disons, de StarCraft. Je vais arriver à faire une intro plutôt correcte un jour, ça va bien se passer. Alors, voilà, alors ça y est, il y a un peu la street avec nous, Isha et Zagara, et on y est, on commence à avoir notre petite street à nous personnel. On va se voir tout de suite sur Kerrigan. On récupère la réaction en chaîne, parce que je n'aime pas du tout la poigne broyeuse, voilà. C'est dit, je suis poigne broyeuseophobe, bien sûr. Et la fausse évolution instantanément avec abattu récupérer l'amélioration du bending et on prend je sais plus laquelle, augmente les dégâts à l'attaque de base, les autres sans changer, rayon d'explosion augmenté de 50%, voilà, on prend les rayons d'explosion augmentés parce que le bending, on aime ça. Alors, le healing aussi qui est pas mal, mais je sais pas, j'avais envie de jouer avec ça, j'ai envie de changer un petit peu de mon confort de campagne brutale et tout, même si ça fait maintenant un bon moment. La mission. Faut défoncer les gorgones, vous savez, en mettant les nids de fléau, une tumeur à côté. Le haut fait, 40% de la map doit être remplie de de mucus. Voilà, donc il faut avoir 40% de la map recouvert de creep. Donc on va avancer. Sans utiliser de stratégie bizarre ou quoi. Pour faire avancer le creep, parce que oui, il y a des stratégies bizarres, j'en ai découvert. On en a même. Donner une sur la chaîne il n'y a pas très, enfin, il y a pas très longtemps. On va voir si ça fait un moment. Et voilà, donc on n'oublie pas de faire les petits bonus. On va avancer du coup. Voilà, directement le premier nid, on s'en fout. Hop, ensuite. Non, oui. Okay. C'est marrant comme ça disparaît. Oui, blablabla. Comment ça disparaît les Vikings après une rafale. Une rafale cinétique. On va faire ça. On va prendre tout de suite le. Non, et. Gaz, hein, merci. On fait plus de. Faut faire des queens. On fait des tumeurs en avance. Faut faire de la queen. Faut avancer. Là, on va aller chercher encore des unités, même si j'ai déjà perdu le gros de mes unités. LOL. Ça y est, une deuxième gorgone qui est déployée. Bon, ça, c'est pas dérangeant. Vu que ça meurt. Et vu que. Déjà on est en normal, donc vu qu'on est en normal, on est immortel entre guillemets. Parce que, bon, techniquement on n'est pas immortel, mais ça c'est techniquement. On va faire juste ça, voilà, pour être tranquille, parce que je sais qu'on se fait attaquer à un moment et tout. Même si on va avoir la vision grâce à cette petite cryptumor. En parlant de creep, tu mords. Voilà. Rally point direct sur Kerrigan. Un gaz, ça suffira. Je vais pas me faire chier. Je vais prendre une reine. Je vais mettre du creep là. On va faire ça. Ouais, bon. Ah, c'est bon, ça a été fait. Alors, le creep spread. Je sais même plus si. Enfin, je sais même plus. En fait, je sais même pas. Enfin, non, même plus, parce que techniquement, j'ai déjà fait les hauts faits. Je sais même plus si le haut fait proc avant ou après. Genre, c'est à la fin de la mission où tu sais que t'as 40%, ou c'est pendant la mission, je sais plus. Ma macro est dégueulasse, hein. Ok, donc on va revenir en arrière pour prendre cette petite parcelle de terrain. Chaque petit bout de terrain est à prendre. Voilà. On va poser une macro watch. Maintenant.
Ah, j'ai pas vu le bunker, quelle erreur. Prends tout ce que je peux, tout. C'est vrai qu'il y a ça ici. Regarde toi. Ça, voilà. Et là. Qu'y a-t-il maintenant? Bon, ça, je suis pas pressé, mais. Ouais, je savais qu'il y avait une dinguerie comme ça. Voilà, on va faire ça. Je vais juste faire un bending nest parce que j'ai bien envie de faire peut-être quelques bending, disons que c'est préventif. Voilà, bon cette tumeur là, elle on va la mettre là pour une raison qui m'est assez inconnue. Ah non, attendez. Parce que là il y a moyen de gratter un peu de terrain. Et des unités. Rachel Morceau, vous avez tout parlé. Qu'y a-t-il maintenant? Oui, l'essaim est affamé. Rachel Morceau, qu'y a-t-il maintenant? Boum le char! Voilà, ça dégage. Et paf le char. La zerguerie est présente. Nos troupes devraient éviter la gorgone. Seul ami de fléau est capable de la détruire. Ouais, je sais. Tout va bien. Ah merde, j'ai pas vu, je suis suppli. En parlant de supply, du coup, on va faire. Bon, ouais, non, on peut faire des bouchons de beurre. Ouais, jamais. Il y a beaucoup d'ossements dans cette tranchée, tous de zerg, et vous les rejoindrez bientôt. Ça passe, ça? Oh putain, ça passe. Oh, ça passe. Le petit scan en mode je t'ai vu. Moi aussi, je t'ai vu. Alors, on va partir par en haut en premier. Bon, 40%, je vais pas te mentir, je pense. Je vais pas vous mentir, je vais pas te mentir. J'espère que tu n'es pas seul à me regarder. Sinon, c'est triste. Je vais pas vous mentir que. À 40%, je pense que j'y suis. À part s'il compte la lave comme étant un pourcentage de cartes. Techniquement, ça devrait être le cas. Mais. Faut pas que j'oublie le dernier. Je sais, c'est bon, je m'en souviens. On va faire ça. Faire des queens, hein, sinon on n'aura jamais assez. Encore faire des ovies. Hein. Bon, finalement, j'ai fait un. Comme à peu près ce que j'avais à peu près prédit, hein, j'ai fait un bending nest pour pas faire de bending. C'était assez prévisible. On vous a demandé quelque chose? Une autre gorgone. Vous allez me le payer, Kerrigan. Une autre gorgone rejoigne le combat. Ok, les vikings ils vont se faire défoncer. Ça a l'air d'être plutôt bien recouvert là. Mes queens, faites-moi genre. Tellement de gaz en vrai. Oh, un peu de minerai, ça fait plaisir. Alors là, on a le dernier ossement. Détruisez le nid de fléau avant que les
Une autre gorgone est tombée. Continuez comme ça. Réveillez d'autres nids de fléau. Donc là, il y a le petit commando d'unité. Je ne vais pas la perdre. Oh, mais je pense que si, c'est bien votre dernière gorgone. Obtention de la biomasse. Bon séquençage. Je suis à plus de 40%, là, faut pas déconner. Donc ça doit être à la fin de la mission, hein, du coup. Hein. Parce que si c'est pas à la fin de la mission, ça commence à me faire flipper un peu. Là. On va voir. Oui. Ah ouais, pourcentage de cartes recouvertes de mucus 40,7%. Ah ouais, j'étais vraiment pas loin de foirer là en fait. C'est limite les dernières tumeurs quand elles se sont placées, etc. quoi. Peut-être. Ok. Donc peut-être défoncer les bases en bas à gauche, en haut à... et en haut à gauche. Pour gratter un peu de terrain. En bas à droite aussi. Ouais, donc faut... Ouais. Ouais, hein. Ok. Donc, bah, comme vous avez vu, on est limite sur le pourcentage de cartes. Le haut fait est tombé quand même, hein, mais on a 40,7. Si vous êtes plus large, je sais pas si vous voyez, pendant la mission, vous avez votre base, juste en dessous de la base. Quand vous partez sur le côté, sur la droite, et que vous redescendez en bas à gauche, il y a une petite base avec un centre de commandement. Vous pouvez le défoncer. En haut à gauche, là où j'ai vu mon scan, à un moment où je me suis fait scanner aussi, je me suis arrêté au niveau de la pente, il y a eu le scan, on a vu une ascension orbitale. Vous pouvez défoncer ça pour gratter un petit peu de mucus, et en bas à droite, là où il y avait les bunkers, etc., au dernier ossement, vous savez le petit ossement qu'il y a bah, en bas à droite, là où il y a eu le dernier nid de fléau tout en bas de la carte, vous pouvez ici aussi gratter un petit peu. Et il y a aussi là où il y a le nid de fléau, sur la gauche, vous contournez le nid de fléau avec vos tumeurs, vous partez à gauche, et vous avez... des pourcentages supplémentaires. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, puis on se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures sur la campagne de Earth of the Swarm. Salut, salut !